Bonjour à toutes et à tous, c'est Munchy, j'espère que vous allez bien. Allez, on va baisser la musique tout de suite. on se retrouve sur un nouveau let's play sur Elden Ring. Ah, comme on l'a attendu ce jeu, comme je l'ai attendu. Moi qui suis un grand fan des Dark Souls, des Bloodborne, tout ce qui est Souls-like possible, j'ai tout fait. J'ai même fait Sifu récemment, on peut le considérer comme un Souls-like. Tellement c'était exigeant et vraiment compliqué. Donc j'ai hâte de découvrir avec ça. Enfin, j'ai hâte de découvrir ça avec vous tous ensemble. Je sens que ça va être une belle aventure qui va nous attendre avec ce jeu. Alors, vous avez écouté cette musique incroyable du menu. Avant de commencer, oui. Alors, j'ai regardé vite fait dans les configurations. On voit un peu comment c'était branlé les options. Alors, il y avait une notion de ciblage automatique qui m'a pas vraiment plu. Du coup, je l'ai viré. J'irai peut-être par la suite si je la remets. Je me suis mis en ligne également. Donc afin de pas être spoilé ou être trollé par des messages à la con, je prendrai que les messages que le jeu me donnera de prendre. J'ai envie de découvrir le jeu à 100% sans spoil. C'est pour ça que j'essaie de faire le let's play dès le début, dès que le jeu sort, parce que rien qu'à regarder sur internet, Facebook, etc., je commence déjà à me faire spoiler la gueule sur certains boss, etc. Il y a même des mecs sur YouTube qui font déjà des tutos, enfin voilà, forcément. Et donc du coup tout ça c'est sur sa spoil, enfin moi j'ai envie de découvrir le jeu de manière vanilla. Et je vous préviens, je vais prendre mon temps quand je vais faire ce jeu, hein. Je vais vraiment prendre mon temps. Alors ça va être un grand moment quand je vais cliquer sur nouveau directement. J'ai envie de prendre vraiment mon temps en faisant ce jeu, donc je vais vraiment y aller comme j'avais dit dans Mortal Shell. D'ailleurs le let's play vient bientôt se terminer sur la chaîne. C'est-à-dire que je vais vraiment y aller à tâtons, je vais tout explorer. Donc parfois il y aura des épisodes où il se passera rien, mais bon c'est ça aussi de faire de l'exploration les amis. J'ai hâte de voir, j'ai envie de profiter au maximum du monde ouvert auquel From Software veut nous faire goûter. J'espère que ce sera pas un monde ouvert comme il en existe en d'autres. Je pense aux Assassin's Creed ou même à Dying Light 2 qui est sorti récemment. C'est vraiment un monde ouvert fade en fait, où bah voilà, où on se fait vite chier. Donc écoutez, on va voir tous ensemble ce que ça donne. Alors avant de commencer, oui, j'aimerais aussi vous dire que faire part un peu des nouveautés qui vont arriver sur la chaîne. Donc là, vu que War Tales va bientôt se terminer, je crois que de mémoire, au moment où je vais sortir cette vidéo, il restera 3 épisodes seulement de War Tales. Bah, il y aura Battle Brothers qui va enchaîner juste derrière, parce que je voulais pas faire un doublon War Tales Battle Brothers, parce que ça aurait fait deux séries identiques à moitié qui se ressemblent sur la chaîne. Ça me plaisait pas trop, donc il y aura du Battle Brothers. Il y aura bien évidemment du Elden Ring, mais mon Battle Brothers et Elden Ring, ça sera vraiment les deux séries phares pendant un petit moment sur la chaîne, je vous ai prévenu. Il faudra aussi également que je finisse Forgotten City, mon RP, mon let's play RP. Et également Pray for the Gods, qu'il faut malgré tout que je termine également. Donc voilà, c'est parti, vous êtes au courant. On clique sur nouveau, c'est parti. Luminosité, on va rester comme ça, je pense que c'est pas dégueulasse, ça. Oui, ça, bah de toute façon, il nous propose de restituer des trucs dans les options, mais on va continuer comme ça, c'est pas gênant. Alors pour cette première vidéo, je pense que je vais jouer une petite heure, parce que je vais sûrement créer un perso, donc je vais prendre 10 ans, hein. Je vais peut-être essayer de passer si c'est trop long, même. Ah, on voit quand on tient une épée à deux mains, d'accord, ok. Donc le vagabond, le guerrier, le héros, le bandit, l'astrologue, le prophète, le samouraï, le prisonnier, le confesseur, l'indigent, d'accord. Ouais, c'est vraiment le clodo de base qu'il y a dans tous les Souls. Alors j'ai pas regardé les stats et tout, hein, non plus, hein, les amis. Hein, c'est vrai que j'avoue que le samouraï me branche bien, je suis sûr que ça doit être... il doit vraiment être spédex, à mon avis. Dextérité. Astrologue, à mon avis, c'est plus la magie. Peut-être du soin, je ne sais pas. Bandit, hein, sûrement une arme, une dague ou une connerie comme ça. Sûrement assez compliqué à jouer. Guerrier, à mon avis, c'est God tier. Un vagabond, à mon avis, ça va être la classe de base. Je suis sûr qu'on a un bouclier qui part 100% des dégâts. Ça peut être sympa de faire ça également, si on veut se faire un build corps à corps, à mon avis. Ah, c'est vrai que le samouraï me plaît bien dans l'idée d'esquiver, mais c'est vrai que bouclier dans les Dark Souls, j'aime bien. Hein. Bouclier dans l'aspect de parer, etc. Ça me plaît beaucoup. Même si j'avoue que l'aspect samouraï... Ah putain, je sais pas. Au secours. Je sais qu'au final, quand je vais refaire un perso, à mon avis, je prendrai sûrement un Dijon. Ah là 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 là. Allez, je vais prendre samouraï. Ça fera penser à Sekiro type A. Hein. Parce que c'est un homme, je crois. Alors du coup, beaucoup endurance 13, c'est pas dégueu. Dextérité 15, ouais, c'est bien ce qui me semble. On a quand même de la force, de l'esprit, on est niveau 9. Par contre, intelligence, foi, d'accord, ésotérisme, on est nul à chier en magie. Mais putain, on a des bonnes stats, je trouve. On a un arc, pour commencer, ok.
Très bien, type de corps A, B c'est femme. Pas sur les capacités, d'accord, on peut prendre un mec âgé, un vieux samouraï. On va prendre un jeune. Samouraï, prophète, ah d'accord, ah, et là on voit les stats. Ah d'accord, ça c'est plus intéressant déjà. Donc le vagabond, ouais, voilà, je suis sûr qu'on a un bouclier qui part 100% des dégâts. On a vu, ça doit être fort. Beaucoup de vigueur. La vigueur, je crois que c'est la capacité de porter, si je dis pas de conneries. Le héros a l'air sympa aussi également avec sa hache. Ouais, beaucoup de force, hein. Et le samouraï, niveau endurance, ouais, ça va. Le prisonnier a l'air sympa également. Attends, à pire, l'indigent, il y a 10 partout, de niveau 1. Limite, c'est si tu commences avec les meilleurs stats possibles, parce qu'après, tu vas monter très vite de niveau, tu vas pouvoir te spécialiser très vite, quoi. Et c'est ça qui est bon avec l'indigent. D'accord. Bon, bah écoutez, je vais prendre, comme j'avais dit, je reste sur mon samouraï. Les gars, ah, ça c'est un objet, on n'est pas obligé de prendre un objet. Je vais regarder ce qu'il y a. J'ai perturbante d'un noble. L'agression des ennemis, d'accord. 5 morceaux de chair. Meilleure résistance aux dégâts physiques, ok. 5 branches sacrées, un pouvoir mutant, ce nom provient du demi-dieu Michaela. Les trucs, on sait pas ce que c'est, faudra lire dans l'inventaire. C'est pour ça que je t'ai dit, je vais prendre mon temps, moi je vais lire. Hein. 2 clés en forme d'épée, brise un signe diablotin. N'utilise qu'une seule fois, quoi. Brise un sceau du diablotin. Oh, je vais peut-être prendre ça, moi, ça tombe, c'est un truc, d'accord. On tente certains objets à lancer. Sans muscles de golem en concession d'abrite encore des âmes, ok. Permet de renforcer les fioles sacrées. Ah putain, c'est. D'accord. On peut renforcer nos fioles directement avec ça, quoi. Ok. Tenir de nombreuses runes. J'ai envie de prendre la clé. Les diablotins, là, ouais. Lui, c'est un modèle de base. Ah là, et c'est là qu'on peut. D'accord, c'est là qu'on peut. Et notre personnage, ok. J'ai pas de truc particulier. L'ordinaire lointain isolé, ou la vue du sang ne choque pas. On va en faire ça pour notre samouraï. Apparence détaillée, donc. Pourquoi mur? Je voulais jeune, moi. Ouais, après, ouais, c'est. Ah la vache, on a un corps tout dégueulasse. La voix jeune. On peut faire un extrait, ouais. Ouais. On va mettre celle-là, hein. C'est bien. Ok, visage, ouais, alors... ouais, les modèles sont pas dégueux, hein. Les modèles déjà pré-tirés. Ah putain, on va prendre du temps. Je vais essayer d'aller vite quand même pour la vidéo, quoi, mais... les puces d'accord, je vois pas ce que ça change. Je vois bien âge apparent. Pourquoi on a 200 ans là, c'est quoi ces conneries? Bon, c'est pas grave. Ouais, bon, c'est pas le plus important, je pense. Ossature, les yeux, le nez. Ah, ça limite je m'en fous, hein. Ça c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Les cheveux, ouais, ça par contre, ouais, c'est important. Si on veut faire un samouraï, hein. On va essayer de prendre la coupe qui va bien. On va s'appeler Dark Sasuke. Avec une coupe comme ça, putain. Ok. Ah, c'est beaucoup de coupes qui reviennent de Dark Souls, hein. J'ai remarqué. Ouais. Ah oh ouais, là, ouais. Là, on est bien dans du Dark Sasuke. Alors, du coup, non, je vais rester là-dessus. Ça a l'air sympa, ça. Couleur des cheveux, ça, par contre... Un petit peu cheveux cendrés, tiens, comme ça. Ça me plaît. Sourcils, je m'en fous un peu. Voir la pilosité faciale, la beubare. La grosse beubare, comme on aime bien. Comment je vais m'y prendre? Ouais, on va laisser la grosse barbe comme ça, hein. Ça me va, hein. Allez, hop, go. Les yeux, oui. Couleur. En vrai, il avait déjà des yeux qui me plaisaient bien. Je vais les laisser comme ça, hein.
Maquillage, on s'en fout. Un cache-œil. Un tatouage sur la gueule, non, ça va aller. Le cache-œil, par contre, ouais, c'est... Non, mais... du genre, tu vois quelque chose, là. Non. Non, ça... Après, on peut choisir la couleur et tout. Ouais, y a moyen de faire un bon truc personnalisé, quand même. Je vais rester sur un truc assez simple, quand même. Je suis sûr qu'on peut faire un truc totalement immonde, là. Attention, spoiler alert chez Shune ou autre. Ils vont nous faire des persos... Des persos en pot de zop, quoi. Ça va être génial. On va... Du coup... Sauvegarder favori. Fait B. Voilà, on a choisi notre modèle. Notre nom, alors putain, comment on va s'appeler Allez, on va s'appeler... Kamio. Il semble que ça veut dire loup loyal en japonais, si je dis pas de conneries. C'est comme ça que... Notre perso s'appelait dans Sekiro, hein, loup. Donc, écoutez, bah allez, c'est parti, hein. Let's go. Ah oui, je sais pas ce que ça a donné niveau graphique, parce que c'est vrai que j'ai pas trop regardé mes niveaux de mes configs, on verra bien. Is nowhere to be found. And in the night of the Black Knives, Godwin the Golden was first to perish. Soon, Marika's offspring, demigods all, claimed the shards of the Elden Ring. The mad taint of their newfound strength triggered the shattering. Putain, cette DA. Oh, mon dieu, quoi. A war from which no lord arose. A war leading to abandonment. By the greater will. Oh, rise now, ye tarnished, ye dead who yet live. The call of long lost grace speaks to us all. Orolu, chieftain of the Badlands, the ever-brilliant Gold Mask. Fear, the deathbed companion, the loathsome Dung-Eater, and Sir Gideon Othnir, the all-knowing. Again, bless a tarnished of no renown. Cross the fog to
to the lands between. To stand before the Elden Ring. And become the Elden Lord. D'accord, un petit avant-goût au niveau du scénar, vraiment, là. Ok, super. Ok, c'est plus là pour passer, maintenant c'est Y, et on peut sauter avec... Oh putain, la vache. On peut sauter dans la Dark Souls. Oh là là, incroyable. Incroyable. D'accord, et on peut taper en sautant. C'est... Pareil, c'est ouf. Alors d'accord, on a vu un premier avant-goût du scénario, du coup. Merde. D'accord, du coup, je peux m'équiper. Non, merde, non. J'ai gaspillé une flèche pour rien, connard. Ouais, d'accord, c'est vraiment... Ok, donc on va virer ça pour l'instant, hein. Faire des parades. Ouais, d'accord, toujours les parades. On a eu un avant-goût du scénario, donc sûrement au niveau de la boss squad du jeu qu'on a vu. Tain, d'ailleurs, les plans, mais mon dieu, quoi. C'est de l'art à ce niveau-là, hein, vraiment, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais... La manière dont c'était dessiné, c'était cool, hein. D'accord, donc là, toujours bien foncé pour sprinter... Pour sauter maintenant c'est A, donc maintenant on a plus besoin de se prendre la tête à lâcher B au bon moment. C'était... Ou alors appuyer sur l'analogue, parce que ouais... Alors on peut s'accroupir également. Alors donc nouvelle notion. Sur l'infiltration, j'en sais rien. En tout cas on a un moveset différent quand on attaque de manière accroupie. Par contre ouais, je sais pas comment on fait pour tenir son arme à deux mains. C'est quoi cette... Non. D'accord, ok. Ce que j'aimerais bien... Non. D'accord, c'est X pour utiliser les objets. J'aimerais bien, si vous voulez, prendre mon arme à deux mains, en fait. Je sais pas si c'est possible. Parce qu'avant, c'était Y, hein. Ou triangle. Et là, je ne sais pas. C'est vrai qu'il y a des attaques puissantes. Ah, c'est bien, on a une attaque en mode... En mode estoc, on peut charger son attaque. D'accord, on peut charger, ok. Ouais, je me familiarise d'abord avec les commandes, braves gens, hein. Désolé, si c'est chiant. Mais bon, vaut mieux te préparer, hein, surtout dans ce jeu. Mais là, c'est un menu de pas pouvoir prendre mon arme à deux mains, en fait. Je vous cache pas que ça m'énerve. Je vais regarder un peu au niveau des touches, du coup. Alors... Compétences, garde, arme main gauche, puis déplacement, accroupi, se lever, changer de sort, changer, ok, la carte, action contextuelle, ouvrir, oui, utiliser l'objet, par arrière, roulade, sprint, attaque, arme de mêlée, arme mêlée, oui, et à deux mains, attaque puissante, arme, et à deux mains, ok. Là, c'est pas indiqué, quoi, hein. Impressionnant. Bon bah écoutez, on va se démerder, hein. C'est quoi ça? Mourra corny de sans éclat, qu'est-ce que c'est que ça? Lire le message. Bien que la voix soit tortueuse et incertaine, emparez-vous du trône d'Elden, ouais. Vous aurez buté tous les demi-dieux là, ça va être génial. Oui. Alors, sert à rediriger les messages apparaissant dans notre monde. Ah d'accord, c'est pour écrire des messages, ok. Consomme les runes dans vos sanctuaires de grâce, oui, d'accord. Ouais, ça c'est le truc que j'ai lu, diablotin mes couilles là, oui. Alors, le katana. On n'a pas de descriptif, hein. Une blague. On en avait toujours sur les autres. Change l'affichage. Ah, voilà, katana dont la lame courbe ne possède qu'un seul tranchant. Importé par un samouraï à Terrozo, grâce à cette trempe, cette arme porte des attaques de taille et accumule le saignement chez l'ennemi. D'accord, on fait des dégâts de saignement avec, c'est cool. Compétences dégainées, compétences des pays, on peut faire une attaque, un weapon art, comme on dit. Après, on aura peut-être un petit tuto au début, hein. Il nous expliquera arc long, décoche des flèches à longue distance, puis inflige davantage de dégâts. C'est bien qu'on a un arc au début, tir puissant. Compétence d'archerie, consiste à tenir l'arc en se courbant légèrement. Ok, ça marche. Petit bouclier, facilitation, il peut cependant encaisser autant de dégâts qu'un bouclier en métal. Quoi, pardon? Blague. Faut que je change d'affichage pour voir un peu la garde.
Ouais, physique 58%, on va prendre quand même 42% de dégâts dans le cul quand on part en bouclier, hein. Donc ouais, c'est pas un bouclier de ouf non plus, hein. Très bien. Ouais, ça, truc de samouraï, casse fabriquée, un assemblage de bande de fer, porté par des guerriers originaires des terres des roseaux. Guerre civile, funeste a fait sombrer les terres des roseaux, isolant encore plus les contrées voisines. D'accord, un peu de l'or. Ouais, ça c'est. En fait, on a à peine pile les mêmes armures. Hein. D'accord, donc on sait que. On vient de là où il y a une guerre civile, quoi, c'est génial. Ok, très bien. Bah, les menus, ça transpire vraiment du Dark Souls, hein, c'est ouf, hein. Ah, là, c'est sûrement là où on peut monter de niveau ou nos compétences, quoi. Mais bon, on n'a pas encore de site de feu de camp. Bon, déjà, on va essayer d'avancer. Ah, ça, je vais m'y faire parce que d'habitude, c'est A pour ouvrir les portes dans les Dark Souls. Et là, c'est Y, ça change un peu quand même, hein. Chapelle de l'anticipation, waouh. On va profiter un petit peu, les amis, parce que waouh. En plus, ça rame pas, c'est stable, c'est fluide. Pff, oh là 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 là. Il y a une brume dégueulasse qui bloque tout, mais. On va se régaler, je pense, hein. On va vraiment se régaler. Je sais pas s'il y a du loot maintenant. Ça m'étonnerait. Connaissant From Software, d'habitude, il n'y en a jamais. Et bon. C'est vrai que là on a une boussole maintenant nord-sud-ouest-est également. Petit changement par rapport à d'habitude. Oh! La porte ne bouge pas, d'accord. Y a pas un passage secret? Quelque part que j'aurais raté? Tout est possible, hein. Tout est possible, braves gens. Je ne crois pas. Ah, je vous ai dit, je vais prendre mon temps, hein. Allez, c'est bon. On avance. Du coup, bah, j'imagine que c'est par là. Ça, on prend pas trop de dégâts de chute. Non. Y a que dalle, y a dalle que. Ok, très bien. Oh, c'est beau, hein. Encore, à mon avis, j'ai encore rien vu, hein. Mais le fait maintenant qu'on puisse sauter, ça va me trigger, hein, parce que j'ai pas l'habitude, hein. Dans un Souls, qu'on puisse sauter. Ça va vraiment me trigger, j'annonce ça. On va pas couper les herbes, dommage. Je suis pas trop fan de rester là-dessus, on va essayer de pas rester trop longtemps, voilà. Y'a quoi là-bas? Je veux explorer. Et rien d'intéressant, très bien. On va déjà arriver sur une grosse zone là. Une zone un peu écartée qui fait penser à une arène de boss. Je dis ça, je dis rien. Mais bon là, on a un brouillard. Ok, rejeton greffé. Très bien, premier combat. On va essayer d'observer un petit peu ses patterns à ce con. Ok. Ah ouais, d'accord, c'est. Comment le jeu il t'accueille, quoi. C'est violent, hein. Ah ouais, d'accord, je suis déjà mort en fait. D'accord, c'était scripté. Ok, très bien. Donc, à mon avis, mais il y a moyen, hein. Si on prend notre temps, je suis sûr qu'il y a moyen de le baiser. J'attendais pas à me taper un truc comme ça dès le début, hein, je vous avoue. Quand j'ai vu la vie, j'ai fait, oh ouais, lui, il est trop costaud pour. Mais il y a moyen. Je me le retenterai, ça c'est sûr.
Don't worry, Torrent. Fortune is on his side. We found him here, after all. One of his kind is sure to seek the Elden Ring. Even if it does violate the Golden Order. Ah d'accord, là j'ai du soin au moins, ouais. C'est vrai que comme je me tapais un boss dès le début, on n'avait pas de soin. Fiole de lame, ça c'est sûrement... On va regarder quand même, hein, l'équipement. Non, ça c'est pas ce menu que pour ça, oui, c'est celui-là. Alors, fiole sacrée, modelée selon un calice doré, autrefois béni par l'un. Cette fiole contenant des larmes pauvres restaure les PV d'utilisation. Ok. Reposez-vous au site de grâce pour les remplir, d'accord, c'est les fioles d'Estus. Fiole d'arbre restaure des PV à utilisation. Même celle-là? Non, ça, ça doit. Ah, il y a une erreur de trad là, par contre, ça, ils ont pas changé. Ça restaure de la mana, ça. C'est bleu, donc c'est bleu, c'est mana, quoi. Là, ça marque que ça restaure les PV. Ah, petite erreur de trad, les gars, hein. Faut corriger ça, hein. Le mec qui chipote, quoi. Le casse-burne, quoi. Je troll, hein, bien évidemment. Ça, c'est pas très grave, quoi. La grotte du savoir se trouve en dessous. Ouais, bah... La grotte du savoir, c'est... Le tuto ? Par sans éclat, sautez le pas. Immergez-vous dans la connaissance et le souvenir. Imprégnez-vous de l'art de la guerre et de votre sang de guerrier. D'accord, ouais, c'est... On a un petit tuto si on va en bas, je crois. Je crois que c'est ça que le jeu essaie de nous dire. Donc oui, ça, c'est bien, ça change pas. C'est... Faut vraiment laisser l'interprétation libre au joueur. Et ça, c'est pas plus mal. Écoutez, bah écoutez, on va descendre, on va apprendre. Peut-être que je saurais comment mettre mon arme à deux mains, MDR. Là, on peut tomber de vachement haut sans perdre de vie. Hein. Ça, c'est bien foutu. L'eau est bien faite. C'est con, hein. Moi, je regarde les détails, là, pour le coup. Le site de grâce. Surposé pour le site de grâce restaure les PV ainsi que les PC. D'accord. Point de compétence, ça. Et soin de toute cette itération de statut, cela remplit également les fioles sacrées. Toutefois, la plupart des ennemis vaincus reviendront à la vie, bien évidemment. Vous trouvez des sites de grâce en vous rendant là où la lumière converge. Les explications sont matérialisées sous forme d'objets consultables à un stand de l'inventaire. Menu de la carte. Notre carte qui est à néant pour l'instant. Allez, on se repose quand même. Faire passer le temps. Quitter. Mi-journée. Ah, on a mi-journée. Il y a une notion de time aussi. Donc, il y a la nuit, le jour. Oh là là, putain. Au secours. Ajouter une dose de fiole. Utiliser une graine dorée pour augmenter le nombre de fioles. Vous n'avez pas assez de graines dorées. D'accord, très bien. Merci. On peut répartir pour faire de la mana aussi, je viens de voir. Coffre. Ouais, ça, c'est pour voir le coffre. Non, on va quitter, du coup. On va pas passer le temps. C'est bon, on avance. Je suis sûr que dans la nuit et dans la journée, on va se taper des ennemis différents. Ça serait énorme. Oui, on sent. Je sais qu'on peut verrouiller. J'avais déjà fait sur le boss. Y'a moyen de l'avoir sneaky là? Allez, bam! Attaque dans le dos qui passe toujours. Ah, les premiers trash mobs de base, hein. Utiliser l'arme à main gauche ou à deux mains pour bloquer les attaques ennemies. Appliquement efficace lorsqu'elle effectue l'aide d'un bouclier. Oui. Moi je vais me prendre des dégâts si je bloque. Voilà, je prends un peu de dégâts quand même. On a vu ça a diminué, mais bon.
Au moins, ça a contré l'ennemi, je lui fais plus de dégâts, du coup. Esquive, oui, ça, on sait. Oui, ça, c'est... C'est la nature de Dark Souls, ça, l'esquive. Je trouve l'ATH plus léger, également. Oh. Fumier, va. Attends, j'ai un arc coco, moi aussi, hein. Il a pas apprécié, je crois, ouais. Merde. J'ai essayé de percer, mais ça a pas marché. Alors, qu'est-ce que tu fais, là, hein? Allez, dégage. Obtenir des matériaux. Partout dans votre terre, vous trouverez des fruits, des fleurs, champignons, papillons, là, servez-en pour fabriquer des objets. D'accord, il y a du craft, oh là là, mon dieu. On ramasse, hein, de la baie. Oh là, un peu plus costaud, lui. On va signer jusqu'à 3 armes à chaque main. Empoignez une arme à 2 mains pour augmenter votre force effective 50% et rendre des attaques plus difficiles à bloquer avec les boucliers, d'accord. Changer d'arme, maintenant, hein. Y plus LBRB pour... Ah, d'accord, c'est fallait... Y enfoncé, il faut faire RB. Ah, d'accord. Ah, c'était pas indiqué dans le tuto, ça, hein. On pouvait pas le deviner facilement, quoi, hein. Attends, d'accord, oui, ok, d'accord, on va se calmer. En lui, à mon avis, il est plus facile à avoir à la parade, je crois, hein. Y'a plus les attaques sautées, là? Bon, je vais plutôt tenter la parade contre lui parce qu'il est assez chiant. Faut que je vois ses attaques, comment il fait déjà. Allô, mon con? T'attaques quand tu veux, mec, hein. En fait, on n'a pas besoin de lui faire de parade parce qu'il fait des attaques assez rapides, quand même. Putain, hé, quand tu veux, hein. Quand tu veux. Putain, hé, c'est une blague? Ah, l'ennemi chiant, quoi, qui attaque jamais, au secours. Peut-être parce que c'est les ennemis du tuto, après, hein. Ça me semble bizarre. Allez. Bon, restons armes à deux mains, du coup. Oui, oui, changer de cible, la care, oui, ça, on le sait. Ah, du coup, on les one-shot, ça c'est déjà bien. Ok. Y'a plus les attaques sautées. Par contre, ouais, l'attaque... si on veut faire une attaque sautée, maintenant on saute et on attaque en fait. On a plus besoin de faire un truc deux fois analogue vers l'avant pour attaquer, d'accord. Ouais, c'est ça que je cherchais à faire, brave Jean. Forcément, ça change aussi ça. Ok, très bien. Je prends note. Hein. Les arcs, ouais, non, mais ça, j'ai plus envie de gaspiller de flèches, en fait, on l'a déjà fait. Compétence LT. Il existe encore une variété, elle est simple, attaque. LT pour les compétences, ok. Ah, c'est ça, la compétence. Ah, merde, faut attaquer, en fait. Allez, hop. Et ça consomme la barre bleue. Là, par contre, ça fait les dégâts, 200 de dégâts, ouais, ça fait pas du bien, quoi. J'essaie de prendre ça en compte. C'est vous pour que les ennemis aient plus du mal à vous détecter parce qu'on les fait dans les hautes herbes. Ah non, il y a encore le coup du buisson magique, putain, non, non, pitié, faites pas ça, hein. T'as qu'un ennemi qui n'a pas remarqué votre présence, tu infligeras plus de dégâts qu'ordinaire, ok. Et le buisson magique, hein. Ah, je suis quoi? Je suis caché dans le buisson magique. Ils nous ont mis les buissons d'Assassin's Creed, ça va, on peut pas siffler, heureusement. Ouais. Allez, ça dégage. Sympa qu'ils nous aient mis un petit tuto là, il y a rien à voir là-bas. Non.
Maintenir attaque chargée, RT en sautant pour attaque sautée. Ok, d'accord, ouais. Anzai! Oh oh! Du coup, ça brise la posture, quoi. Ok. Effigie de Marika, lorsque vous mourrez, vous revenez à la vie au dernier site de grâce visité. Toi, si vous mourrez près d'une effigie de Marika, vous pouvez choisir d'y ressusciter. Ah, d'accord. Un checkpoint. Ok, très bien. Ah, boss tuto. Ou zone finie, je sais pas. Soldat de Godric, ok. On a un boss. Il est là-bas. Contre-attaque. Vous pouvez exécuter une contre-attaque immédiate après avoir bloqué une attaque ennemie. Contre-attaquer un ennemi permet de briser plus facilement sa posture. D'accord, il y a une épée. Ah, il a pas de vie, il est gratos en fait. Ah, par contre, il faut faire attention quand même, mine de rien. Ok. Allez, dégage. Ennemi abattu. Bon, c'était vraiment le boss tuto, hein. J'ai gagné 400 âmes, ok, ouais. Allez, on va rester à deux mains. Ah, quelques chutes de FPS. Ah, d'accord, je reviens là. Ok, très bien, je suis revenu au début. Il y a quelques chutes de FPS ici et là. Rien de bien méchant. On a des freezes de quelques secondes, mais ça, j'avais vu dans quelques reviews que ça... C'était le cas, malheureusement. Il y a quelques chutes de FPS, mais bon, ça sera très vite patché, à mon avis. C'est juste technique. Du coup, on pouvait pas aller là-bas. Bah, du coup, voilà, c'est bon, on continue. On a fini le tuto. Ouais, j'ai eu quelques chutes de FPS, là, vous voyez, typiquement. Pas de message, ok, on arrive dans une espèce de catacombe. Bon, par contre, ouais, là, c'est un peu trop récurrent à mon goût, hein. On va faire passer le temps, peut-être. Jusqu'au matin, ouais. Voilà. On a fait passer le temps, on a rempli nos gourdasses. Je peux pas passer par là, hein. Ouais. C'est un rideau qu'on peut pas passer. C'est quoi, ça? J'utilise la clé, lame de pierre. Ah bah d'accord, on peut le faire dès le début, ça. Ah ouais, ok. Je sais pas du tout ça m'a amené. Oh là là, ça sent le début des embrouilles, ça. C'est empoisonné. Si c'est empoisonné, c'est-à-dire sans... Oh, je peux pas y aller tout de suite, à mon avis, hein. Attendez, on va d'abord... Bah, de toute façon, j'ai sauvegardé, je suis con. Autant aller voir. Oh merde. Ouais, poison. On va pas y aller maintenant, hein. On va pas y aller maintenant. D'accord, donc là on est dans une zone de poison, faudra vraiment une armure spéciale. Mais je retiens du coup, c'est tout au début du jeu, ça sera pas trop dur à retenir. Utiliser droit crochu sans éclat pour inscrire une marque d'invocation dorée lorsqu'un joueur... Ah, d'accord, c'est pour le multi, ça. Ok, très bien. C'est pas le truc qui me branche le plus. Ascenseur. Allez, au camio. Tu as vécu une grande aventure. On ouvre la porte. Allez. Oh mon dieu. Nécrolimbe. Ah, je profite là, hein. Le fait que la TH soit léger en plus. Oh là là. D'accord, et quand on arrive là, c'est putain, je vais où? Avec ta petite musique là en plus. Ah, génial. Bon, on va ramasser des trucs, hein.
invocation pourrait trouver de chaque zone des effigies de martyrs. Ceci, pour office de recueil d'invocation, il sera plus simple d'invoquer d'autres joueurs près d'elle. D'accord. Ok. C'est encore une fois pour le multi. Oh là là, mais je suis bluffé quoi. Waouh, c'est. Pff, les détails. Incroyable. Une grâce, d'accord, qui a été trouvée. La grâce guide les sans-éclats sur la bonne voie. De nos jours, certains sites de grâce conservent ce pouvoir. Leurs raies dorées baliseront votre chemin. Ah, on a un petit truc doré qui nous dit par où aller, en fait. Consultez votre position afin actuellement de connaître les structures et les terrains environnants. Trouvez le fragment des cartes, des stèles, le long des routes. D'accord, ok. Là, mon site de grâce me dit d'aller là. Mais c'est vrai que là, le truc, s'il est abandonné, je vais peut-être placer un repère, ouais. Il y a un truc à faire. Sûrement un trésor, donc je vais mettre un diamant. Non, c'est pas un trésor, on va mettre plutôt une forteresse à faire. Je l'ai débloqué. Donc on va le laisser ici. Hein. Bonjour. No shame in it. Unfortunately for you, however, you are maidenless. Without guidance, without the strength of runes, and without an invitation to the Round Table Hold, you are fated, it seems, to die in obscurity. Luckily for you, however, there is one shining ray of hope for even the maidenless, me, Vare. Take care to listen. Are you familiar with grace, the golden light that gives life to you, tarnished? You may also behold its golden rays pointing in a particular direction. Ouais, je viens de le voir, oui. That is the guidance of grace, a path that a tarnished must travel. Et à côté, il y a tellement à faire en fait. Indeed, grace's guidance holds the answers. It will lead you tarnished to the path you are meant to follow, even if it leads you to your grave. Grace's guidance to Castle Stormvale, over on the cliff. The home of the demigod, Godric the Grafted. Donc c'est là-bas notre goal pour l'instant, faut aller là-bas. This time you set off, I shall castle storm if you seek the Elden Ring. It's time to... Ouais, il a fini de nous dire ce qu'il avait à dire, ok, très bien, ok. Écoutez, super, bon, avant de partir là-bas, j'ai bien envie de me frotter contre ce cheval là-bas. On l'a vu, vous l'avez vu, je l'ai vu. Bien évidemment, on va voir ce qu'on vaut là contre ce truc. Alors, on peut pas ramasser de matériaux sur les bestiaux aussi. Je sais pas si c'est un drop fixe. Bon, toi là. Est-ce que t'es ami ou ennemi? Si on peut te loquer, déjà, c'est pas bon signe. Hein. Ouais. Sentinelle de l'arbre. Ok, c'est un boss. Ils sont fous. Oh là 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 là. Il m'a défoncé dès le premier coup, quoi. Terrible. Ah ouais, non. Non, mais là, je peux pas faire ça maintenant, en fait. Enfin si, ça doit être possible, mais bon, je connais pas son pattern, vous voyez comment il m'a envolé quoi, c'est pas humain quoi, là il me fallait le chevalier avec son bouclier qui tanque 100% des dégâts quoi. Lorsque vous revenez à la vie, dernier site de gravité, toutes les runes possédées restent à l'endroit de votre mort, oui d'accord, ça oui, c'est nos âmes les runes. J'avoue qu'il m'a bien éclaté le pourri. Attendez pas à me taper ça au début, hein, je vous cache pas.
On va se le retenter une fois, hein. Si jamais je crève trop, bah écoutez, on arrêtera. Hein. Là j'ai fait de la merde. La caméra, j'ai pas su le loquer, voilà. Comme ça c'est réglé, ok, très bien. Ah, ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué. Bon, du coup, je perds toutes mes âmes, mais bon, ça va, il n'y en avait pas des mages, j'en avais que 500. C'était les âmes du tuto, c'est pas non plus dramatique. Ah, et là, il pleut et tout, hein, mais ouais, d'accord. À chaque fois, ça change l'ambiance, quoi. Hein. Bon. Après, on va pas. Je vais faire quelques trails, hein, mais bon, si j'y arrive pas, hein, j'y arrive pas, écoutez, hein, on fera autre chose, hein, vous inquiétez pas. Ah, la vie qu'il a, ah ouais, d'accord, ouais, non, ça déconne pas. Hein. Ouais, puis il me touche deux fois, je meurs, non, non, ça va pas être concevable pour l'instant. Hein. Ça va pas être concevable pour l'instant, ok, j'ai compris. Non, je voulais au moins voir les dégâts que je lui faisais, bon, voilà, on a vu. Et je me suis fait défoncer. Donc à moins que je puisse parer, enfin voilà quoi, il n'y a pas trop d'espoir. Voilà. Écoute, on va essayer d'explorer maintenant. Ah, d'accord, tu sors de la zone tuto, tu te tapes un chevalier là qui te défonce ta gueule, c'est... J'adore. Hein. Dark Souls quoi. Bienvenue. Bienvenue dans Elden Ring. J'ai eu des rémiges, ok d'accord, on a pu le tuer lui. Très bien. Bon, on peut sauter mais c'est pas non plus craqué non plus hein. J'ai encore en tué un, tiens. Oh là, il y a des trucs en bas, là. Oh là là, c'est quoi ce marais dégueulasse, là, en dessous, là. Oh là là, au secours. Très bien. Ah, et du coup, je peux pas le fouiller parce qu'il est tombé. Ah, c'est super, j'adore ma vie. Fuck my life. De toute façon, c'est là-bas qu'on va essayer d'aller, parce que lui, là-bas, il a l'air vénère. Hein. Enfin, j'ai pas envie de me le taper tout de suite. Raté, dommage. Ouais, bon, par contre, j'ai vu qu'il y avait des ennemis en bas, des espèces de mini-dragons, là, je sais pas ce que c'est, là, des diablotins ou de conneries chauves-souris géantes, on va voir. Ah bah, il y a l'aigle que j'ai défoncé qui est là, quoi. Voilà, je récupère le truc. Allez, viens là, toi. Bon, ça, t'as l'air déjà plus accessible, toi, hein. Il y a des mecs pendus à des poteaux là. Allez, viens. Vu qu'il y a un espèce de gros moustique là, je sais pas si c'est un ennemi. Ouais, c'est des ennemis, bien sûr. Oh putain, merde. Aïe. Vaincre un groupe d'ennemis vous permet de remplir vos fioles. D'accord. Tête de libellule géante. Ouais, elle avait l'air dégueulasse, elle. Hein. Eh, viens là, toi. D'accord, on est dans de l'eau, là. C'est moins beau que tout à l'heure là, il pleut, il fait dégueulasse. Il y a des matériaux, fragments de ruines, je prends. Je sais pas à quoi ça servira, mais ça me servira sûrement à un moment ou à un autre. C'est quoi ce truc là? Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce que je suis là?
Ouais, bon, qu'est-ce que c'est que ce jeu, en fait? Où tu tapes un dragon à côté de la zone de pop. Ah, Gael, le dragon volant, là, super, il m'a vu, il veut me tuer, allez, c'est génial. Putain, mais fuck ma vie, quoi. Ta gueule. Waouh, ah ouais, d'accord. Oh, oh. Ok, super, on se fait défoncer, c'est magnifique. Sa tête, c'est son point faible, hein. Ok, j'esquive ça comment? Ouais, d'accord. Il a déjà l'air plus accessible que l'autre connard, hein. Il a déjà l'air plus accessible que l'autre connard. Bah, dernier site de grâce, hein. Enfin, je pars popper sur une effigie, là. Le truc, c'est que j'ai pas assez de vie. Ouais, j'ai pas assez de santé. J'ai pas assez de potions, également. Ah là là, c'est compliqué, hein. Ouf, ouf. Ah, c'est vrai que tiens, pour qu'on y ait ici, je peux déjà mettre que c'est l'amour. Hein. Parce que lui, il est vraiment chiant. On va récupérer nos âmes, on va essayer peut-être de se le retenter, le dragon, là. Ah, le nul. Ok. Et là maintenant il reste le con, hein, il disparaît pas. Ah, le dragon, quoi. À côté de la zone de départ, quoi, j'hallucine. Oh, que tu as de belles dents! Ouais, par contre, ça, j'ai pas le timing, hein, il m'a défoncé. Il va faire son lance-flamme, ouais, ça c'est pas bon. Putain, ça a une portée en plus, au secours, à l'aide. Ah, l'enfoiré. Alors, cette attaque, ouais, elle me trigger, hein. Ouais, bah en même temps, je pouvais plus courir, il y avait le mur. Et là, par contre, je suis mort, ouais, alors qu'il avait fini l'animation. Je suis pas convaincu. Bon, soit, c'est pas grave, j'accepte la mort, hein. Y a pas de souci. Ah, d'accord, c'est bien cette première vidéo, je me fais blosser par tous les ennemis du coin, quoi. J'ai tué deux chauves-souris. J'ai tué deux pauvres chauves-souris de merde, et là je me fais bolosser par un putain de dragon, c'est super. Mais y'a moyen, hein. Parce que pour l'instant, bah, je vais mettre un autre marqueur, c'est la mort, quoi. Enfin, un putain de dragon. Elle m'a pas vu, ok. Parce que moi j'ai envie de récupérer quand même ma grâce, quoi, un petit peu, de grâce.
Voilà. Ok. Bah c'est une erreur de mettre la... Par contre, on s'attaque pour esquiver, vas-y quoi. Hein. C'est... J'ai pas le timing. Hein. Ça non plus, j'ai pas le timing. Ok. Je sais pas ce qui me touche. Ah, il atterrit en haut. C'est une blague. Non mais redescend hein. Je passe à travers les flammes. Vous voyez, j'ai pas compris ce qui me touchait, ce qui me touchait pas quoi. C'était assez imprécis. Il me touche à travers le mur. Non, ça va, tout va bien. Ah, je suis pas trop fan de t'affronter là, mec, là. Ah, le coup de queue, ouais. Ouais, ouais, non, ça restaure pas la vie, hein. Comme c'était indiqué dans le tuto, hein. Ah. Il m'a défoncé. Allez, adieu. Ouais, il y a moyen de l'apprentissage de pattern, hein, mais ouais, si j'avais un bouclier, ça se passerait mieux, je pense. Ça me ramène où si je prends l'effigie de Marika, en fait, là? Juste par curiosité, quoi. Ah, se faire bolosser dans le premier épisode par ça. Ah, d'accord. On peut retenter le boss à l'infini, en fait, quoi. Parce que je réapparais vraiment à côté de lui, quoi. Après, c'est vrai que c'est que 500 âmes, je m'en fous, hein, tant pis. Ouais, c'est le seul tryhard, ce connard. Non, mais ouais, cette attaque, tu veux que j'esquive comment, en fait? J'ai été touché par quoi là exactement? Ouais, ça c'est imprécis hein, parce que le feu était même pas sur moi. Hein. Donc, ça d'accord. J'accepte, hein, y a pas de soucis, mais bon, à un moment. Voilà, ça, pas. Ça, je sais pas comment on l'esquive. Hein. Typiquement, ça, je sais pas du tout comment je peux esquiver ce truc là. C'est l'attaque qui me pose le plus de soucis, c'est Hercule, il crache du feu en cône devant lui, mais... C'est vrai qu'à... Ouais, c'est compliqué. c'est le cas de le dire, c'est compliqué. Ok. Mais bon, vu qu'on peut le tenter à l'infini... On va se faire plaisir, hein. Je suis déjà dans la merde, c'est cool. Thank you.
Non mais merde hein, j'ai cru que je touchais pas. Ah le coup de queue. On sera dans Monster Hunter, tiens. Ah la performance de merde. Ah la performance de merde. Je finirai par l'avoir. Bon, ça sera la dernière tentative. Après, je pense que j'arrêterai cette vidéo parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai lancé. Je veux pas avoir un encodage trop lourd. Donc dernière tentative, allez. C'est là que je le tue. Ou rien. Ok, il m'a pas eu. Merde, la queue. Oh putain. Ouh. Voilà, il m'a mordu. Le coquin. D'accord, bon bah voilà, il m'a écrasé, super. Bon, et bah voilà les amis, c'était Elden Ring. C'était Elden Ring, donc je vais retourner au site de grâce, hein, écoutez. On essaiera de se le retenter quand on aura quelques niveaux de plus, hein, on va essayer d'avancer, faire autre chose. Il y a plein de trucs à découvrir là, j'imagine qu'on va sûrement XP. D'ailleurs, j'ai pas vu comment ça se passait le leveling. Peut-être regarder à ça. C'est pas comme ça qu'on monte de niveau. On fait comment alors? Bon, soit faudra peut-être avancer du coup. Bon, écoutez, voilà les amis, premier épisode d'Elden Ring. Donc voilà, j'espère que ça vous a tout de même plu de me voir faire, défoncer. Ah, juste après la zone tuto. Je récapitule, hein, on sort de la zone tuto. On se fait éclater par un chevalier là-bas qui est horrible. Il y a un dragon là-bas qui est horrible, donc ça nous laisse plus beaucoup de possibilités. On va aller par là, écoutez. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo si c'est le cas. Moi, je vous fais des bisous à la prochaine. Allez, des bisous. Ciao, portez-vous bien.